Les amis, regardez tout ce que j'ai pris pour Juju et Adriane. J'ai reçu tout ça de chez Moulin Rôti. En fait, je vous explique, je me suis dit, comme ça, à chaque fois qu'il fait sa petite semaine en vert et qu'il a le cadeau, et eh bien du coup, je lui sors un cadeau que j'aurais soigneusement choisi du coup au préalable. Donc, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai choisi. Je suis trop, trop contente. Alors déjà, on connaît tous la passion jardin de Julian et Adriane. Donc j'ai pris la brouette du jardinier. Ça, je pense qu'ils vont m'en ramener des belles, des très très belles du jardin. À mon avis, ça va être plutôt drôle. Ensuite, pareil, dans le thème du jardin, j'ai pris un jeu de société pique-nique au jardin. Voilà, je vous montre un petit peu. Il adore les jeux de société, Juju. C'est vraiment son petit truc. Donc du coup, j'ai hâte de le découvrir. Et pareil, dans le thème du jardin, j'ai pris la petite mallette du jardinier. Voilà. Dans les mallettes également, les petites passions de Julian, l'atelier de pâtisserie. Vous savez que j'aime beaucoup faire de la cuisine avec Julian, des gâteaux et tout. Donc je lui ai aussi pris une mallette de pâtisserie. Alors ensuite, j'ai pris des petites histoires à projeter comme ça pour le soir. Je trouve ça vraiment trop, 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 trop mignon. Donc il y a toutes ces petites histoires à projeter, voilà, comme ça. Donc trop chou. Pareil, j'ai pris un petit théâtre de marionnettes. J'aime trop aussi. Et après, pour le dehors, je me suis dit un petit set de bulles géantes. Je les vois bien jouer avec ça. Et pour Drou-Drou, je lui ai mis ça, voilà. Comme ça, quand Juju il est sur son vélo, ben Adrien il a ça. Voilà, je suis plutôt contente de tout ce que j'ai choisi. Et puis évidemment, la maison de poupées meublées. Franchement, ils aiment trop jouer avec des trucs comme ça. Donc, nickel. Voilà. Je suis trop contente de ma commande. Des Attendez. tomates. Moi, c'est pas. Donc ça, c'est les tomates d'Adriane. Et ça, c'est à moi? Ouais, ça, c'était radis. Le moi,
Lama. Donc les tomates de Monsieur Adrien. Et ça, il est pas rempli. Mais si, ça, t'as mis tes carottes. C'est là où t'as mis les carottes. Et ça. Là, tu vas mettre les radis, toi. Non, doucement, Adrien. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire à bord? Oui. Quoi? Il y a tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Pour qu'une plante, elle pousse, elle mange quoi, la plante? Moi, des... Deux. Graines. Non. Les graines, qu'est-ce qu'il leur faut pour pousser? Joujou. Des tomates. Non. Qu'est-ce qu'il faut aux graines Julienne pour pousser? Julienne. Il y a deux choses. Ça, le vin, de l'eau, ça. De l'eau? Oui, de l'eau. Ouais, c'est bien. Et il faut quoi avec de l'eau pour, qu'une fleur, elle pousse? Ou un légume? Mais moi, je sais pas. Du soleil. Du soleil. Donc, on peut mettre de l'eau d'abord. T'en mets un petit peu dans chaque, tu vises bien. Voilà, ça y est. Celui-là. Voilà. Celui-là. Pas le toucher. On le laisse ici. Et tous les soirs, quand vous rentrez de l'école, on va les arroser, d'accord? C'est bon ou pas? Oui. Tous les soirs, on les arrose. Papa, mais nous. Ben attends, faut que ça pousse. Ça met du temps à pousser. Comme ça, tu vas voir. Ben attends, il y a le temps, Juliane. C'est plusieurs jours. Hein. On le touche pas, ça. On le laisse là, d'accord? On touche pas. Ça y est, Adrienne, c'est fini. Avec la pelle. Papa, il nous faut faire des pelles. Ben, on va voir s'il y en a, je sais pas. Il y a pas de l'eau, là. Mais il n'y a pas de l'eau. Il a un chignon serré, lui. Il veut mettre des vers de terre. On va voir s'il y a des vers de terre. Ne tranche pas. Il est là, le cochon? Oui, il a fait du cœur. Attends, je vais cacher. La crache, du cœur. Ah, ils sont là, ils se cachent. Ah, ils sont là, ils se cachent. Oui. Et il y a les canards aussi. Non, c'est moi. Vas-y, Adrien, tire. Ah, ils sont là. Ah, ils se cachent. Mais ils sont là. Papa, comment tu fais les canards? Avec les canards, tu vois? Attends, regarde, regarde les canards. Comment les canards? Les canards, c'est là sur le côté. Qui a reconnu la chanson? Lille va dîner, ça ne prend pas du tout pour pas de l'autre. Hé,